Bonsoir mes Verseaux, c'est Nati. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous le souhaite de tout mon cœur, mes Verseaux. Vous m'avez manqué. Alors, prenez que ce qui vous parle. Je dirais, il faut avoir du bon sens, du ressenti. Voilà, ce que vous ressentez, bah, c'est pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une générale. Il faut avoir du discernement, bien entendu. Et puis, bah, mes anciens, merci d'être là, de votre fidélité, de votre soutien. Et puis, aux nouveaux, aux nouvelles, bah, bienvenue à vous, je vous accueille avec plaisir. N'oubliez pas, en dessous de la vidéo, vous avez mon mail pour me joindre, vous avez mon site professionnel dessus, vous bloquez un créneau horaire, vous réglez par PayPal ou alors Molly. Molly, c'est quoi? Parce que certains ne connaissent pas, certains oui. C'est quand vous faites un achat avec votre carte bleue, ben là, vous faites l'achat par carte bleue. Et puis, par contre, si on reçoit un message de sa banque, et ils veulent savoir si c'est vous ou non qui avez fait cet achat-là, vous dites OK. Et voilà. Et vous pouvez bloquer un créneau horaire qui vous convienne. Et vous avez aussi le site à bijoux, le site Tiffany and Joyce. Voilà, j'ai tout dit. Et puis, ah oui, ce qui est important, merci pour vos likes, vos commentaires. Vous savez, mes anciens, que je réponds toujours, même si c'est le lendemain ou le surlendemain, dès que j'ai le temps. Souvent, c'est très tard le soir, quand j'ai tout fini. Et puis, merci pour les personnes qui pensent à s'abonner. Merci à vous, parce que vous faites grandir la chaîne. Vous la faites évoluer. C'est grâce à vous et à moi aussi. Hein. C'est grâce à nous, je dirais. Et puis, bah, en fait, il faut, certains le font, d'autres non. Il faut sélectionner la petite cloche. Et là où il y a marqué « toutes », eh ben, il faut cliquer dessus. Enfin, en tout cas, comment dire, le choisir, le sélectionner, et comme ça vous recevez toutes les vidéos, enfin les publications des vidéos, notamment quand je publie quoi, une ou des vidéos. Prochainement, vous allez avoir août, le mois complet pour le mois d'août, hein, les guidances. Allez, let's go, c'est dit, c'est fait. N'oubliez pas, c'est une générale, s'il vous plaît. Vous avancez. Il y a un déclic, il y a ici, il y a une prise de conscience et on avance ici. Bon, certains de vous, par contre, tout fout le camp, hein, il faut se calmer, il faut se recentrer. L'instant présent, vous connaissez. Donc, quand vous êtes éparpillé là, comme ça, et que vous ne savez plus et que ça vous énerve, il faut se recentrer sur quelque chose. Prenez l'aspirateur, faites du vélo, cuisinez. Sortez, promenez-vous, mais soyez dans l'instant présent, dans le moment présent. Quand vous faites ça, faites-le à 100%. Vous allez voir comme vous allez, vos pensées, comme vous êtes là ici, vous voyez bien, hein, cette personne, elle est un peu dépassée, et puis elle, ça part dans tous les sens, les baguettes, en tout cas, elles partent dans tous les sens, eh bien, vous allez vous recentrer sur vous-même. Ça va vous faire du bien. Sinon, ouais, moi, j'ai quelqu'un qui discute. Ça parle beaucoup de communication, hein, d'échange, de négociation, de choses à dire, hein, pour certaines personnes. Mais sinon, il y a un déclic là qui se fait. On prend conscience de quelque chose. Moi, ça me parle de ça. Regardez. En fait, là, il y a un choix à faire. Ce choix-là, on vous dit, c'est le choix du cœur. C'est pas du tout... C'est vrai que c'est le 2 d'épée. C'est vrai que c'est des épées, mais comme elle a le bandeau, c'est le choix du cœur. C'est aussi de vous choisir, vous. Et j'ai l'impression que vous, dans une situation ou par rapport à quelqu'un, vous prenez conscience que vous êtes plus important que cette personne, par exemple, ou que cette situation. Et que soit cette personne, en fait, on ouvre les yeux aussi, malgré qu'il y a ce bandeau, il va tomber. Hein. Et en plus, vous voyez, elle vise pile poil au milieu, au centre. Donc, vous ne vous aurez pas trompé sur cette personne au final. Là, on ouvre les yeux et vous allez voir que les pensées que vous avez, là, actuellement, je parle, hein, vous ne vous trompez pas. C'est ça, en fait. Hein.
Et donc, vous vous choisissez vous. En fait, cette personne, elle ne pourra plus vous mentir, ou alors vous promener, ou alors, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est terminé. Et du coup, ben ici, il y a quelqu'un qui vous guide, hein, bon, le pape, hein, mais c'est aussi, il y a quelqu'un qui vous guide ici. Il y a quelqu'un qui vous guide, il y a quelqu'un qui vous conseille, et cette personne-là, elle est experte en la matière, elle est experte dans son domaine en tout cas. Et cette personne-là, d'ailleurs, elle ne réfléchit pas avec le cœur parce qu'elle a l'extérieur de l'histoire. Et oui, donc elle voit clair et elle voit loin, elle voit derrière, vous voyez? Bon, ça peut être les voyants, ça aussi, hein. N'hésitez pas, mais ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être un juge, ouais, un juge, pourquoi pas. Ça peut être, oui, un juge qui entend et d'un coup qui prend, qui va donner son verdict, vous voyez. Ça peut être un avocat, ça peut être un médecin aussi, je l'ai dit, thérapeute, médecin, un notaire, pourquoi pas. Mais quelque chose d'officiel, vous voyez. Bon, pour certains de vous, justement, on est éparpillé, on ne voit pas clair pour l'instant avec ce bandeau, hein, vous le voyez bien là, un bandeau. Ils l'ont illustré de cette manière, dessiné de cette manière, c'est fait exprès. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Écoutez votre cœur. Écoutez aussi votre ressenti à vous. Et sinon, faites-vous aider par cette personne. Certains de vous, vous êtes en introspection et ça paye, hein, ça paye, ça récolte. Ça vous fait du bien d'entrer en introspection. Je pense que soit vous l'avez été, soit vous l'êtes encore. Un petit peu, et il y aura un de ces déclics, oui, parce qu'il va être bon et beau, mais il y a un déclic, on prend conscience de quelque chose. Peut-être on prend conscience aussi de tout ce qu'on a donné, alors pas de regret, mais qu'au final, on se dit, au final, j'ai tout fait, ça suffit pas, bon, bah, je continue ma route, hein, c'est tout, hein. Et oui, on est. Il a fallu qu'on se retrouve seul, qu'on se retrouve seul avec nous-mêmes. Mais bon, c'est vrai que. Alors, comme il est à l'envers, le pendu, la carte elle est à l'envers, d'accord? Vous vous débloquez. Bah ouais. Normalement, il est comme ça, il est comme ça à tomber. Donc vous vous débloquez, c'est bien ça, hein, vous avez un déclic. Prenez conscience, ça y est, vous conscientisez de quelque chose. Vous allez vous choisir vous et vous ouvrez les yeux là, vraiment. Hein. Mais alors, est-ce que vous n'avez pas été magicien, j'allais dire, guérisseur, guérisseuse? Moi, j'en ai un, des sagittaires, pardon, excusez-moi, des Verseaux. Sagittaire, je viens de terminer. Ou alors, c'est quelqu'un qui est sagittaire. Et que ça vous parle ou c'est l'un de vos signes? Bon, peu importe. Mais en fait, c'est rien. Mes chers Verseaux, j'en ai certains à qui moi j'ai réalisé des soins justement pour vous débloquer certaines choses, pour vous aider. Hein, d'accord? Donc peut-être que vous m'écoutez là justement. Parce que c'est ça aussi, c'est le guérisseur. Ouais, j'avais oublié de dire ça. Mais c'est vrai que le pape, c'est aussi, ça peut être un guérisseur, une guérisseuse ici. Hein. Bon, vous allez vous débloquer, mais ça a été dur. Hein. Ça n'a pas été évident. Et. Peut-être que justement on a beaucoup réfléchi au début, on était pris par ce mental et du coup après on a pu mettre de l'ordre dans notre tête et dans notre vie. Mais ça n'a pas été évident. Moi je pense qu'avec un 10 de bâton, soit quelqu'un vous a fait du tort, vous a créé de la tristesse, vous a créé et que ça n'a pas été évident, vous revenez de loin ici. Et pour d'autres en fait, patience et... on va voir la suite parce que ça récolte ici. Certains vous attendez une somme d'argent, regardez. Il y a des choses à accueillir là. Hein. Patience. Hein. Ouais, ici vous avez certains de vous. Le roi d'épée, c'est ceux qui sont en action. Vous avez des actions en justice, ouais. C'est peut-être ça que vous attendez, regardez. Notamment, je pense à quelqu'un qui va se reconnaître. Mais si
Sinon, en général, il y a quelqu'un qui attend. Vous êtes obligé d'attendre, vous n'avez pas le choix, parce que ce n'est pas vous qui décidez dans ce cas de figure, surtout si c'est des actions en justice, il faut passer, vous voyez, par l'ordre, le tribunal. Pour d'autres, ça récolte parce que vous avez trouvé quelque chose de nouveau. Voilà. Ça peut être un nouvel amour, un nouveau emploi. Pour certains de vous, avec le pape et le magicien, je le vois bien, vous pensez à une formation. Hein? À moins que vous êtes déjà en formation. Hein. Regardez comme ça va payer. Là, il y a encore plus de fruits par rapport au 7. Vous voyez le 7, il y a quelques fruits qui nous ont mis. Regardez là. Là, avec le 9 de Pentacle. Persévérance. Alors, le magicien, vous avez tous les outils, certains de vous, pour réussir, et vous allez réussir. Je la mets là. Il manque une carte. Vous allez réussir. Hein. Vous avez besoin de repos. Hein. La nuit, vous ne dormez pas, certains de vous. Hein. D'autres, vous êtes dans le mental, vous ressassez, vous réfléchissez, vous pensez. Et d'autres, vous êtes dans l'ennui. Bon, il y a un vœu qui se réalise, là, nul doute. Hein. Certains de vous, vous voulez plus, plus, plus. Et vous allez obtenir plus, hein. Regardez-moi ça. On va consolider, on va construire, hein. On va faire la fête aussi. Hein. Patience, patience, patience. Alors. Ouais, bah, il est là le verdict avec le jugement. Ouais, mais de toute façon, j'avais le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, c'est ça. Hein. Bon, certains de vous, soit vous démarrez quelque chose qui va vous plaire énormément. Hein, d'accord? C'est de l'ordre de la destinée, c'est écrit. On démarre soit un nouveau emploi, une nouvelle formation, je vous disais tout à l'heure. Et ça va finir par payer, vous voyez? Et du coup, on va travailler énormément aussi pour certains de vous. Donc, vous êtes un bon élément ici. Du coup, on est dans tout ce qui est productif. Hein. Vous travaillez beaucoup ou vous allez travailler beaucoup parce que ça ne vous suffit plus. Ces 8 coupes, vous voulez la 9e et la 10e. Hein, d'accord? Et donc, en fait, on va vers une abondance. Hein, on va vers une réalisation ici. C'est sûr, hein, pour certains de vous. Et par contre, dites-moi, une fois que ça sera fait, si vous le pouvez, parce que des fois, on ne peut pas, partez en vacances. Si vous ne le pouvez pas, partez en week-end. Si vous ne le pouvez pas, partez une journée, en tout cas. Et sinon, de temps en temps, voilà, reposez-vous les week-ends, le soir. Hein, vous en avez besoin. Essayez de voir comment vous pouvez dormir, là. De voir peut-être des plantes, des tisanes, j'en sais rien, moi. Oui, certains, vous vivez une rupture, hein, c'est ça. Hein. Et comme j'avais la mort, l'arcane sans nom, là, on va couper. Alors, ça peut être que là, vous la subissez, enfin, vous la subissez, vous la vivez, cette rupture, d'accord? Rupture de travail, rupture par rapport à une personne. Peut-être qu'on s'est, on a eu des désaccords avec nos proches, vous voyez. Pardon, vous ne vivez pas tous la même chose, donc c'est à vous d'adapter, mais ça va vous faire du bien. Mais sinon, vous coupez avec quelque chose de pénible et vous avancez. Hein. On ferme une porte pour une nouvelle porte ici, on avance ici, hein, et vous avez la renaissance. Moi, je pense que ici, et je l'ai senti comme ça immédiatement, mes Verseaux. Ici, vous avez en fait, vous faites un bond en avant. Prenez conscience de quelque chose, vraiment, vraiment, et vous faites un bond en avant. Pour moi, on change ici. C'est bizarre que je n'ai pas eu cette roue. Ouais, c'est ça, hein. Pour moi, vous avez subi quelque chose. Vous me direz quoi en commentaire, s'il vous plaît? On a subi quelque chose de malhonnête ou discriminatoire ou alors injuste. Et au final, on va se relever avec ce bâton, hein, devant. C'est la fin, hein, 10 d'épée, on s'en va. Hein. Vous quittez un état malheureux, triste. On était dans le manque, on n'est plus dans le manque ici. On s'en va pour mieux. Il y en a qui vont me consulter. Hein.
Vous allez attirer à vous de l'argent, certains de vous. Sinon, certains de vous, moi, pour moi, vous avez vécu, c'est possible que ça s'est terminé, on ne veut plus de quelqu'un toxique dans notre vie. On le met de côté, ou alors vous prenez de la distance, vous voyez, il y a la fête qui vous attend. Vous allez vous féliciter, vous allez être fier de vous. Et une réussite plus tard, il faut tenir bon. Vous passez par une... Ici, on déconstruit pour reconstruire quelque chose de droit, d'honnête, de pur, de beau, de comme il faut, vous voyez. Vous voyez, cette tour, elle penche. Tout s'écroule, vous voyez bien. Ben là, non. Alors, 5 d'épée. Moi, je pense que ici, certains de vous, il est possible que vous vous êtes disputés. On n'est jamais à l'abri, hein. Prenez que ce qui vous parle, disputé ou rompu avec une personne et que vous en avez marre de cette personne. En fait, cette personne, vous voyez, aujourd'hui, vous prenez conscience. C'est ça, vous avez changé, il y a un truc là, il y a un déclic. Vous avez conscience que cette personne, en fait, fait des histoires ici. Hein, et qu'elle ne vous a pas apporté le calme, la paix, en fin de compte, cette personne. Il y aura quelqu'un d'autre qui va vous animer, hein, si c'est en amour, hein, je dis bien. Il y aura quelqu'un d'autre. Hein. Bon, et pour d'autres, vous avez vraiment quelque chose qui vous anime, vous voyez, vous allez de l'avant. Il y a un changement, hein, qui s'opère. Hein. Mais c'est vous qui changez aussi. Allez, mes célibataires. Ou alors, ça peut être aussi certains de vous... vous avez tardé ou vous avez mis du temps... Et là, vous dites exemple. Hein. Vous avez tardé, vous avez mis du temps, vous n'aviez pas envie de prendre, comment dire, d'accepter un emploi. Exemple, un emploi. Et là, en septembre, plein les gaz et vous trouvez quelque chose. C'est un exemple. Hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup de communication, négociation, hein, chez vous. Hein. Après, c'est possible que ça soit par rapport à cette justice, le notaire aussi, l'avocat. Le juge, si vous êtes entendu prochainement, bon, il y a les vacances judiciaires, mais prochainement, c'est possible que ça soit des disputes aussi, hein. Ouais, c'est clair, mais c'est possible qu'on négocie un contrat, on négocie quelque chose, il y a beaucoup les communications. Après, c'est peut-être votre métier aussi qui ressort. Hein. Alors, mes célibataires. En fait, j'ai l'impression, bon, des fois, vous êtes seul, et excusez-moi, mais vous êtes en manque de sexualité ici, c'est ce que ça me dit, hein, voilà. Et peut-être que des fois, vous pensez à un ex ou une ex de revenir avec par rapport à ça, vous vous dites je prends et puis c'est tout, mais c'est pas le mieux à faire, hein. On vous demande quand même de passer par ce célibat, pur et dur, hein, quelque part. Après, le temps, c'est vous qui le faites aussi, hein. Mais votre chance, elle est ailleurs. Alors, c'est possible aussi que ce diable, vous voyez, c'est ça, hein, ce diable arrive à vous récupérer comme ça. Ou alors, c'est vous qui pensez et vous vous laissez tenter des fois. Mais pour moi, non. Hein, certains de vous, vous tranchez. On l'a ici. Hein. Vous tranchez. Et c'est un retour, vous ne retournez pas en arrière, parce que vous savez que votre chance, elle est ailleurs. Alors, c'est vrai que peut-être que vous l'avez choisi, ce célibat aussi. On le choisit, on a besoin de se reconstruire, reconstituer, reconstruire, ouais, je dirais ça. Et que vous sentez qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, parce qu'on va décoller, hein. On décolle d'où ? On décolle d'une terre où il y a un cœur gris, taupe, vous voyez, qui va mal. Donc, vous allez quand même, il y a une rencontre ici, hein, certains de vous, on va voir. Les communications, elles reviennent. Faites attention à un ex ou une ex qui... Eh ben, c'est ça, un ex ou une ex qui essaye de vous charmer, vous voyez, par des mots... par la sexualité aussi, qui essaye de vous attirer...
qui utilise, vous voyez, ce diable, qui tente. Voyez? Est-ce que vous allez vous laisser faire? Bon, ça, c'est plus tard. Vous serez en couple, vous, votre chance, elle est ailleurs, je vous l'ai dit. Hein. Mais il y a un temps à passer seul. Hein. Il y a un temps. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, forcément. Je vous dis que c'est une générale. Prenez vraiment si ça vous parle. Mais il y a un temps à passer seul pour se reconstruire, pour ne pas confondre avec la prochaine personne qui arrive et pour pas, pour éviter aussi de refaire les mêmes bêtises, on va dire, entre guillemets, hein, les mêmes erreurs. De répéter les choses, vous voyez ce que je veux dire, les schémas quand on vous dit, ou de reprendre une personne pareille, le même genre, vous voyez le même genre, non, il y a un truc aussi de se faire du bien, de profiter de la vie, seul à un moment donné, peut-être refaire du sport, peut-être aussi de se payer des vacances seul, ou week-end seul, ou souffrir des trucs, se faire aller au spa, j'en sais rien moi, mais se faire du bien, hein, c'est ce que j'ai, hein. Et de toute façon, il y a quelqu'un d'autre, vous serez en couple, hein, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Et pour d'autres, bah, c'est terminer le célibat, vous rencontrez une personne et il y a deux brosses à dents, on est à nouveau en couple ici. Hein. Il y a de la chance ici dans l'air. Hein. Alors, ici, je vais terminer ici. Non, vous, alors j'ai demandé si vous allez craquer ou pas. Non, vous êtes plus fort. Ça y est, il y a un déclic, je vous dis. Vous prenez conscience. Ça, elle ne vous suffit plus de toute façon, cette personne, et vous n'y croyez plus en elle. Ni en ce qu'elle raconte, ce qu'elle dit, cette personne. Terminé, vous avez les yeux grands ouverts, je dirais. Mais c'est cette force aussi, vous reprenez ce pouvoir. Peut-être que vous lui avez donné un certain temps à cette personne, mais vous reprenez votre pouvoir. Mais attention, mes célibataires, certains de vous, il y a un ex ou une ex qui revient. Et qui peut être très mauvais et jalouse. De toute façon, c'est quelqu'un qui a joué avec votre cœur. Hein, si ça vous parle. Voilà, c'est quelqu'un qui a joué avec votre cœur. On pourrait parler de réconciliation que cette personne, mais vous êtes fort et forte, j'ai demandé au final. Hein. L'échec, hein, il y aura. Après, c'est à vous de voir, parce que des fois, il y en a certains de vous, peut-être que vous êtes déjà réconciliés et que ça n'a pas fonctionné et qu'aujourd'hui, vous tombez dans les mêmes célibataires, et d'autres que peut-être vous avez besoin de vous casser la figure encore. Que vous ayez ce déclic, mais il y en a que non. Moi, pour moi, ça m'a répondu. Vous reprenez votre force, vous reprenez vos esprits, je dirais même, par rapport à cette personne, hein, un ex ou une ex. D'accord? Et là, j'ai des célibataires, là, c'est terminé le célibat. Hein. On est à nouveau en couple, on va beaucoup discuter hein, chez vous. Hein. Allez, l'été, les beaux jours aussi, ou par une journée chaleureuse qu'on vous dit. Le choix, bah, c'est la lumière aussi. Attendez, on vous parle de cancer, lion, vierge maintenant. Pour mes couples ou en relation. On va voir ce que c'est. Oh là là, il y en a trop. Et l'été, c'est le soleil, c'est aussi la lumière, l'éclaircissement face à cette situation. On vous parle de choix, prendre une décision en son âme et conscience. Hein, d'accord? Alors, ici, soit vous m'avez fait une rencontre et que ça fait pas longtemps que vous êtes jeune couple, hein, que ça fait pas longtemps cette rencontre. Donc, je parle à un jeune couple, mais j'ai déjà un autre cas de figure qu'on me parle, chaque chose en son temps. Soit, donc, dans ce cas de figure, on est à nouveau amoureux, amoureuse. On fait le choix aussi d'y croire, de petit à petit donner sa confiance à cette nouvelle personne. Et vous avez fait le choix sur votre passé aussi. Hein. Le choix d'avancer, vous vous détachez du passé. Vous vous détachez de cette personne qui a rendu ce cœur triste. Voilà, il y a des feuilles qui tombent, donc il n'est pas entier. Donc, vous vous détachez, on vous parle de balance, on vous parle de scorpion, de sagittaire, de cancer, lion, vierge. C'est déjà pas mal. Donc, en fait, cette personne, ça peut être balance, scorpion, sagittaire, ou l'un des signes, qui vous a fait mal, qui vous a dépouillé,
Parce que regardez bien, on a des feuilles, c'est l'automne, donc ils l'ont, voilà, cette illustration-là, vous allez vous détacher. Et le moment là, en ce moment, je pense que certains de vous ici, ouais, c'est ça me parle de ça. Vous avez rencontré cette nouvelle personne et vous faites le choix, justement, je vais voir la suite. Vous faites le choix, ben ouais, vous êtes en transformation. Cette personne a fait partie de la guérison. Moi, j'ai un nouveau couple. Et cette nouvelle personne que vous avez rencontrée, avec qui vous êtes aujourd'hui en relation, en couple, comme vous l'estimez, c'est à vous de voir. Eh bien, elle vous fait vous élever, elle vous fait avancer dans votre vie, d'accord? Et vous vous détachez du passé. Vous vous détachez de la personne qui vous a créé cet état de souffrance, de douleur, de mal-être, d'accord? Vous vous détachez et vous rayonnez, d'ailleurs. Vous êtes en pleine transformation de toute façon. On vous parle aussi que cette nouvelle personne avec qui vous êtes aujourd'hui, c'est de l'ordre du karma. Voilà, c'était prévu, vous voyez. Et elle fait partie de la fin de la guérison. C'est pour ça que vous vous détachez. Vous lâchez prise sur le passé et vous dites bonjour à l'avenir avec cette nouvelle personne. Pour moi, j'ai quelqu'un. Vous êtes. Alors. Pour moi, vous êtes. Ouais, c'est un nouveau couple, hein, c'est ce que je vous disais. Ouais, en fait, on se détache de cette personne au passé toxique, d'accord? Et le cœur n'aime plus cette personne, vous voyez? Le cœur, il en a marre en tout cas. Hein. Là, il en a marre. Votre âme, elle en a marre. Votre âme, elle a fait un pas en avant. Elle est déjà en avance par rapport à vous. Il faut la rejoindre et faire plus qu'un comme avant. Hein, d'accord? Bon, le mieux, c'est de. On vous dit, là, je l'ai vu. C'est de même pas perdre de temps à parler avec un ex ou une ex, puisque vous allez mieux, vous avancez. Et là, il faut donner ses énergies à cette nouvelle personne avec qui vous êtes. Hein. Donc, moi, j'ai un nouveau couple. Et sinon, ça me parle de quoi ici? Ça me parle, il y en a un des deux qui n'aime plus, d'accord? Et on parle de, il y en a un des deux qui trahit l'autre, qui a fait la rencontre avec une nouvelle personne. Et ça passe par un nouveau un choix, quoi. Par un choix, je veux dire. Pour moi, c'est la personne qui a été trahie qui fait le choix d'avoir son déclic et de mettre fin totalement, terminé. Bon, vous allez me dire, vous n'avez pas tellement le choix puisque cette personne, elle est tellement tournée vers cette nouvelle personne, cette tierce personne. On parle de tromperie ici, cœur gelé. On va voir. Ouais, il y en a un des deux qui est superficiel et c'est. Bon là, ils ont dessiné un homme, hein, mais pour moi, que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez. Par contre, mais il y en a dans le couple, il y en a un des deux qui a fait le beau ou la belle à l'extérieur, hein, et qui donne ses énergies à une tierce personne qui envoie des messages en cachette. C'est ce que j'ai, hein. Et oui, qui a des doutes, ça va savoir, hein, c'est qu'une histoire de temps. La vérité, elle ressort ici. Hein. Ça va savoir. Hein. Triangulaire, en Doltec. Vous me croyez? C'est comme ça. Ça parle et ça parlera pas à tout le monde. Il y a une triangulaire, je vous confirme. Vous êtes dans le doute ou maintenant vous le savez ou vous allez le savoir parce que la vérité, elle est là. Hein. Ce soleil qui éblouit, c'est la vérité. On va la connaître hein, ici. C'est qu'une histoire de temps. Hein. Pour certains, vous êtes déjà servi. Vous la connaissez, la vérité. Pour d'autres, et donc il y a l'écoute, il y a la foudre en fait dans les disputes et tout ça, parce que cette carte, faut pas oublier, c'est pas que le coup de foudre dans le bon sens, oui, mais chaque carte elle a le positif, négatif. Et là, moi, ce que j'ai quelqu'un de toute façon qui fait le choix, qui va se choisir, vous allez vous choisir vous. Ça fait mal, ça pique, ça coupe. C'est pas évident, mais vous vous choisissez vous. Bon, bientôt, il y aura, d'où l'importance de s'abonner, il y aura août complet bientôt qui arrive. Bon, je n'ai pas terminé avec tous les signes,
Il m'en reste encore 5, je crois, je ne sais plus. Bon, en tout cas, prenez que ce qui vous parle. Mes amours, pensez à vous. Mais là, moi, je reste très confiante. Moi, j'ai quelqu'un qui a un déclic ici. Alors, c'est possible aussi que vous avez quelqu'un qui vous a aidé à ça. Mais sinon, qui vous a soutenu, vous voyez, vous avez du soutien ici. Ça peut être vos proches, ça peut être un psy, il n'y a pas de honte, hein. Ça peut être des proches, la famille, les amis, ça peut être moi, hein, parce que je sais que j'ai des Verseaux, j'en ai beaucoup des Verseaux, hommes ou femmes. C'est vrai que j'ai plus de femmes à qui j'ai réalisé les soins, le rituel ancestral. Vous l'avez aussi, hein, le rituel ancestral, je l'explique. Sur mon site professionnel, si vous descendez, vous avez les tarifs, les comment dire, les options, quoà, les formules, voilà, les formules. En dessous, vous descendez, vous avez un descriptif par rapport aux soins, aux rituels ancestraux. Et moi, je sais que mes chers Verseaux, je sais que vous m'écoutez, à ceux que j'ai réalisé des soins, je suis trop contente parce que vous me faites un bond en avant, vous allez de l'avant et vous reprenez votre pouvoir. Et ça, je suis très très contente parce que vous étiez mal. Bon, cela dit, prenez soin de vous. Et puis, je vous embrasse, mes chers Verseaux, et je vous dis à bientôt. Bisous.